Salut gars, c'est FR9, j'en ai reparti pour une vidéo avec un deck cycle que j'aime bien. Enfin, j'ai juste trouvé ça comme ça parce que j'ai pas envie de jouer les nouvelles cartes Goblin. Donc je me suis dit pourquoi pas tester le Kava qui, comme le prince, a reçu un buff sur son dash qui a, bah, il a besoin de moins de cases pour dash, ce qui est très très fort. Je pense dans cette vidéo on va avoir pas mal de Kava et de prince. Mais encore une fois, vu qu'il y a les 3 troupes Goblin de cheater, je préfère me mettre en 0-0 et au pire, bah, si j'arrive en 8 victoires, je couperai les games du début. Mais voilà, je suis même pas sûr d'atteindre les 6 avec une méta comme ça. On va voir ce qu'on peut faire, on est parti directement dans la première game. Et on est parti contre Rain. Clan The Pookies. Ah, j'ai oublié de mettre la tour de Duchesse. Faut vraiment que j'y pense, hein. Je suis capable de faire 5 combats d'affilée hein, en oubliant de le mettre. Là, je suis plutôt bûche parce que Bombardier, parfois, si je joue avec des decks très cycle qui ont l'extracteur d'élixir. Je vais partir comme ça. Hein. Ok, le prince. Ça devrait. Ouais, ça a mis quand même son coup. Là, je vais défendre Mousquetaire. Je pense que ça va être un deck peut-être P.K. ou quelque chose comme ça. Ouais, parfait. Il va pas faire de gobelin. Je vais repartir Golem de Glace ici. Comme ça, j'attends pas qu'il dash. En termes d'élixir, je sais pas trop je suis comment. Je pense que je peux permettre de partir Kava. Ça recycle très très vite la Duchesse maintenant. Je crois qu'ils ont limite buff la Duchesse. Je bûche. Ok. Ouais, ça m'embête un peu de squelette sur ça, mais bon. Je vais quand même le faire, je vais partir Golem de glace. Je sais pas trop ce qu'il a pour défendre les squelettes, il a un zap, ok. Ok. Ça c'est vraiment le deck qu'on retrouve beaucoup. J'ai pas trop suivi le jeu, mais j'ai regardé un peu le top ladder, il y a énormément de decks comme ça. Il me semble que c'est Kava, hein. Il l'a peut-être déjà joué, mais j'ai. J'ai oublié, non, il joue du prince pour l'instant, mais du PK Kava, il y en a énormément avec le prince. Avec, bon, je vais pas me porter la poisse, mais bon, je crois pas qu'il joue la nouvelle carte. Ok, je mets l'esprit de glace ici, tac, bûche. Normalement, là, ça devrait quand même mettre un coup parce qu'il va refocus sur le squelette. Parfait. Je vais aller taper ce bombardier. Ok, il met quand même des coups sur la tour. Mousquetaire toujours super forte. Là, je vais partir Kava directement. Ok. Là, il est obligé de zap. What? Attends, attends, quoi? Il a redash le Kava d'ici. Non, c'est une folie par contre. Ah bah voilà. Je me suis porté la poisse. Il le joue finalement. Le gros monstre à roquette. Il joue que 2 des 3, donc on peut dire qu'il est presque pas boosted. Je vais esprit glace ici. Bûche, séisme. Je vais remettre un canon. Le problème c'est que là il va. Oh, le prince va dash. Pour ce qu'il vient de nous mettre, je pense qu'on s'en sort pas si mal, on perd pas la tour. Ok, j'ai pas mes squelettes Evo, j'ai pas. Ouais. Ok. Moi je vais défendre juste ça tranquillement. Hein. Je pense qu'il va essayer de repré-shot avec un prince ou quelque chose comme ça peut-être. Ouais, parfait. Je vais défendre ça tranquillement. Parfait, bûche. Golem de glace directement au pont. Parce que sinon il va dash. Là je peux me partir. Je suis pas sûr qu'il ait l'élixir pour PK des. Ah si. J'ai cru qu'il allait dash. Là, on va juste défendre au pont. Tac. Ok. Esprit glace. Je pense que je vais repartir Kava. Ça va ralentir. Et en même temps, ça lui met de la pression. Il va devoir prince ou quelque chose comme ça. Parfait. Plus zap. Il s'en sort bien pour l'instant. On va mettre les squelettes ici. Parce que il s'y attendra pas. Enfin, je. Ok. Là, j'ai l'esprit glace. Donc, même s'il part PK. Normalement, avec l'esprit glace qui va remettre son tick. Ouais, non, il a zappé Evo. De toute façon, je pense pas qu'il aurait mis de coup. Ok. C'est chaud, hein, il défend bien. Je vais mettre ça ici. Oh, il va balancer une roquette. Ok, il faut que je garde ma bûche. Je vais partir Kava pour lui mettre de la pression. Je suis bûche en défense, recycler une mousquetaire. Esprit glace. Ouais, par contre, la mousquetaire toujours très très forte. Là, je vais repartir Kava.
Et de toute façon, on arrive sur du x3, je vais pouvoir juste cycler mes sorts. Et on va aller remporter cette première game, mais pas facile, hein. Après, je pense qu'il vaut mieux que je garde tour de princesse quand même, parce que sinon, qu'on ait gros push, je suis mort. Je sais pas trop. On va tester en gardant princesse. Eh, on est reparti contre KFC. Bon, j'ai mis la tour de duchesse, ça m'a saoulé. Je me suis fait 3 couronnes là par un débile avec les 3 cartes goblins. Ok, on va voir ce que ça joue. Parfait. Du bombardier, donc ça commence bien. Reine, ok, ça change un peu. Mais je pense que ça va quand même être du Kava, un truc comme ça. Je vais partir avec mon Kava pour lui sortir sa Kappa. Ouais, mais là, ça... Même avec l'esprit glace, là, ça redash sur la tour s'il a pas sa reine. Ok. Je vais pouvoir défendre comme ça. Ok. Squelette. J'ai l'esprit glace en plus, parce que je sais pas s'il aurait pas pu la recycler, sa Kappa. Ok, bon, avec Duchesse, ça a l'air d'être un peu mieux pour défendre. Surtout que son rework, entre guillemets, limite buff, aide un peu, parce que j'ai l'impression que ça va surtout faire que ça tue les troupes plus rapidement. Ok, là, ça a sûrement Cochon Royaux. Non, j'ai juste bûche, du coup. J'étais limite pas obligé de défendre. Cava Bélier. C'est plutôt la reine qui va être embêtant à défendre. Il a pas de... Ok. Surtout que là, j'ai lâché mon golem de glace. Ok, je vais le recycler, mettre à gauche. Ok, ça devrait tuer les squelettes. Parfait. Bon, ça en sort, mais ouais, c'est limite le pire. C'est pas un bon match-up à prendre sa cochon royaux séisme quand vous avez pas de dégâts de zone. Et la reine. Compliqué. Je vais repartir comme ça. Peut-être un séisme ici. Après, il a pas de bâtiment, donc. De ce côté-là, le cava va redash là. Ouais, mais c'est une... par contre, ça c'est une folie. Hein. Qui redash alors qu'il est collé à la tour. Ok. Tac, je suis esprit glace ici. Quand même de glace en défense pour tanker. Squelette en plus. Tac, Kava pour pas prendre de coups sur la tour. Ah non, il va juste bûche donc. Mais là, il va redash. Hein. Là, il redash. Hein. Là, il défend. Ok, ça va en grade séisme. Ok. Je bûche en plus. Ouais, c'était sûr. Tac. J'ai quand même Kava, même s'il renne ou s'il fait n'importe quoi, juste éviter de mettre quelque chose derrière mon Kava, parce qu'il bûche dans tous les cas. Allez, dash. Oh la folie, il a mis les dégâts sur la tour. What? Ok, canon haut, esprit glace ici. J'ai pas besoin de défense, j'ai ma mousquetaire, la mousquetaire. Ouais. Pas la meilleure carte de la méta, mais très sous-cotée quand même, parce que ça fait 15 ans qu'elle est là. Et dans toutes les méta, elle s'en sort à peu près bien. On va dire qu'elle est cohérente dans tous les méta. Ok. Ramener ça de l'autre côté. Mais ouais, en fait, c'est limite un buff de comment ça s'appelait ça? La duchesse en défense, parce que bah ça se cycle beaucoup plus vite. Je continue à cycler mes séismes, moi. L'aérodash. Hein. Ok, je vais essayer de pré-shot ces cochons Rio. Ce n'est pas chose faite, mais de toute façon là. En fait, j'ai. Ouais. Je vais quand même défendre la bûche. Plus esprit glace, ça, mais j'aurais limite pas besoin parce que. Avec la duchesse, c'est tellement fort et le Kava qui dash encore. Eh, on est reparti contre un asiatique. Ok, duchesse contre duchesse. Mettez-moi des petits gobelins là qu'on s'amuse. Que je casse mon téléphone et que je finisse à 4 victoires. Non, de l'artificiaire, c'est peut-être du cochon cycle. Je vais quand même devoir défendre ça, sinon elle va mettre cher artificière. Là, il dash, évidemment. Ah, j'ai oublié ce sort. Bon, il m'avait pas manqué, mais je l'avais oublié. Je l'avais oublié, ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais, voilà, on voit quand même que sur les défenses... Bon, là, ça prend
se fait quand même beaucoup de dégâts sur sa tour, mais ça recharge plus vite qu'avant la duchesse. Pas mal le séisme. Là, c'est possible que ça joue du gobelin à roquette. Limite un golem. Ou du gobelin à roquette cycle. Je sais toujours pas son nom, j'ai pas été chercher. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Question, est-ce que je cycle ma bûche ou mon cava? Ouais, je vais cava quand même pour mettre des dégâts et je vais séisme là-bas. Hein. Parfait, il utilise son sort. Ici. Tac, il a peut-être un rage ou un zap, donc faut se méfier. Ok. Bon, plutôt pas mal, par contre, ouais, voilà. Bah, je vais rien mettre, mais il va sûrement. De toute façon, je vais rien mettre, je peux rien faire. Je sais pas s'il va repompe de l'autre côté. S'il le fait, en soi, c'est pas fou. Ça me donnerait de la value. Donc là, il attend peut-être que je séisme. Enfin, je séisme du coup, parce qu'il a plus son miroir en main. Mais il attendait peut-être que je séisme pour repartir sur un extracteur miroir. Il n'a pas pu le faire. Ouf, le pire néant en défense. J'ai pas peur de le dire, mais s'il perd pas néant en défense, il est en attaque pour tuer ma mousquetaire. Il a un. C'est vrai qu'il a un miroir. Voilà. Mais là, en fait, on dirait vraiment plus Clash Royale. Je suis désolé de peut-être me répéter, mais. Les plaies ou les trucs comme ça avec un truc gobelin qui lance des roquettes ou des choses comme ça. Est-ce que je peux activer ma tour du roi ici? Non. Ok. Bon, après là, j'ai plutôt l'impression qu'on est correct. J'ai cyclé mes séismes en attaque puisque maintenant il va plus mettre d'extracteur, je pense. Ce serait un peu une erreur de sa part. L'artificier qui va quand même taper. Tac. Le canon. Ouais non, Duchesse, j'ai quand même bien fait de la mettre parce qu'elle va complètement tuer sa première troupe à chaque fois. Donc voilà, et là, touk 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 touk. Faut pas oublier qu'on a un deck à 1.5, enfin je sais pas, bah 2.6 du coup. C'est vrai, mais ça cycle très rapidement, donc on va pouvoir aller prendre sa tour. Et on est reparti contre Oui Oui Oui. Je pense que c'est le cousin de Oui Oui. Oui, c'était bonne chance. Ok, Esprit Glace. Je séisme parce que je sais pas trop ce qui peut se cacher derrière ce mortier. Là, ça met peut-être un coup là par contre. Au moins, je connaîtrai l'interaction. Ok, il faut une bûche en plus pour tuer le mortier. Ou une autre troupe pour tanker. Peut-être du mortier poison tout simplement. Ouais. Ok. Faire ça, je bûche. Oh, pff, esprit de glace. Ok. Squelette au milieu. Est-ce que ça peut taper avec l'autre tour? Non. Que je dois rajouter un. Là, il va dash dessus. Insensé. Ok. Bon, du coup, maintenant, je dois canon défense. Est-ce que j'ai plus mes troupes pour cycler? Canon plus séisme, je pense. Ok, je vais partir avec Kava. Avec un séisme. Ok. Canon, parfait. Et je vais bûcher en plus pour pas qu'il mette sa kappa. Bon, parfait, ça l'a tué. Ok, c'est chaud. Il y a du prince, il y a du poison et tout. C'est un deck intéressant. Pourquoi pas le jouer dans une prochaine vidéo? De toute façon, moi je cherche des decks un peu cycle. Pas trop centré sur les gobelins forts pour rester skill et dans du Clash Royale. Mais ce mortier peut être intéressant. Ok. Je pense juste un golem de glace devrait suffire. Ok, j'essaie de partir comme ça. Là, ça va connecter à la tour 100%. Non, oui, ouais, ouais, c'est pas mal ce dash. Ok, ici, golem de glace. Ah, le prince, là, c'était pas mal. Ok, après le cava qui dash. Non, mais... oh, le cava bélier, mais c'est quoi cette monstruosité? Ok. Ah oui, je dois rajouter mousquetaire. Parce que vu qu'elle tape, elle régène leur vie.
Là, je vais séisme et esprit glace en plus. Et ça va quand même mettre un coup sur la tour, ouais, dommage. Après, on est largement devant, je vais tanker ça, mettre un canon au pont pour bloquer ses mortiers et tuer le prince. Là, il a plus de... Oui, il a failli redash, mais il a plus de mortier, donc il peut plus trop défendre le Kava. Ça va, dash. Oh, le Kava, je l'aime. Et on est reparti contre Stuart. Ok. Tour de duchesse, c'était bonne chance. Tac, 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 tac. Petit bombardier, petit squelette, petit gobelin dans le fond. Ou est-ce que ce sera directement un gobelin ou une grosse troupe? Bombardier. Let's go. Esprit glace, bûche. Pouliste. Oh, le Kava qui red... Non! Comment ça? J'étais en train de penser le Kava qui redèche entre chaque boule de bouliste. Il a fini par aller sur la tour, c'est trop ce jeu. Ouais, par contre, c'est beaucoup moins marrant Lee Jae-yeon qui va arriver et me casser la tronche. Est-ce qu'il est des squelettes? Tac, ça va sûrement me foudre mon canon, je préférerais ça. Ouais. Et là, Kava, plus esprit glace. Voilà, c'est le summum du ralentissement. Le Kava, esprit glace, j'aurais pu rajouter un sorcier glace, il va dash. S'il avait pas rajouté les squelettes, je pense qu'il prenait un coup. C'est la Kava folie. Ok, un coup de mousquetaire, ça en aime. Ça, par contre, il n'y aurait pas eu avant, ce coup de mousquetaire, parce qu'elle aurait mis plus de dégâts à la duchesse. Cycler ma bûche. De toute façon, après, là, ça va être assez compliqué. Sur des Igéens. Après, j'ai aussi le cycle pour en avoir pas mal. Le problème, c'est son bouliste fond de map qui me bloque un peu. Il y a ça aussi, en plus. Ouais, là, il va bouliste. Je vais cycler ma bûche. Non mais là, j'ai même plus de réaction, j'ai même plus... C'est plus drôle en fait. Ok. Ok. Bûche. Séisme en défense. Je vais rajouter un canon, je pense. Ouais, en fait le truc c'est que là, le gobelin là, il... Vu qu'il tape de loin... Mais il va chercher mon canon directement, ce qui m'arrange pas trop. Ce qui m'arrange vraiment pas. Non mais c'est une horreur cette troupe. Hein. Supprimer là. Ok. La mousquetaire. Ouais. En soi ça va, hein. Je suis pas si loin derrière. Enfin, je suis même devant. Je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Je vais repartir comme ça. S'il cycle une bûche, au cas où il met un bouliste. Ça va pas changer grand chose, mais ça me permet de cycler. Juste prier pour pas. Oh, il a l'élixir. Ok. Essayer de partir comme ça. Séisme défensif. Ok. Je lui donne une value foudre, comme ça s'il la prend. Ah mais son bouliste en fait il me bloque toute la ligne. Je vais partir sur un caval de l'autre côté, je pense que je suis obligé. Je vais essayer de cycler deux canons en défense. Au moins je vais... ça lui a coûté un peu d'élixir d'aller chercher ce caval, même beaucoup trop d'élixir. Tac, je vais repartir ici. Ouais, voilà, il sait qu'il est obligé de rajouter. Je vais cycler mousquetaire dans le fond. J'espère qu'il va la roquette. Enfin, la foudre, je veux dire. Là, je vais partir Kava ici. Ok, bûche. Ouais, le Kava de l'autre côté. Je vais aller cycler séisme, mais le Kava de l'autre côté, non, c'est une folie. Je vais repartir Kava juste pour lui mettre de la pression. Ok.
Ok, et 212 HP, normalement, bûche plus séisme, ça finit. Juste défendre avec un canon ici, être sûr. Let's go. Et on est reparti contre Alex 12. Clan russe. Allez, du chevalier. Pas chevalier évolué, donc ça peut être un deck ça cycle avec esprit glace squelette. Ça peut aussi être de l'Arkix. Ça peut aussi être un deck de dégénéré mental avec tous les gobelins. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Poison, ouais. Ok, je vais mettre mon canon ici. Je sais même pas comment ça réagit. Normalement, je dirais quand même ça. Ouais, ça le tue et il va exploser dessus en fait. Ouais. Bon. Je sais pas ce qu'il tente là. Il a plus de mineur, donc je sais pas trop ce qu'il voulait faire avec ses squelettes. J'ai raté mon séisme. Ouais, mon doigt l'a décalé au dernier moment, du coup je prends pas la Tesla. Bon, il a quand même rajouté ses archers, mais je pense que j'aurais peut-être pu aller chercher sa tour. Le forcer avec... peut-être même si ça tapait pas, le forcer avec une bûche panique en lui faisant penser justement que ça allait toucher. Là, il a plus de Tesla. Tac. Il le suit pas? Non! Ok. En soi, ça va. Hein. En soi, ça va. On est même très très bien. Le Cava Bélier. Le Golem de Glace. Nerf le Golem de Glace. Nerf le Golem de Glace. C'est la meilleure win condition. Let's go. Encore. What? Il va perdre une tour sur un Golem de Glace. Il a fait 500 de dégâts là. Encore un coup, mais c'est magnifique. Ok. Bon, ça me va. J'ai eu très peur sur le gobelin là. Je pensais. Ouais, il a une petite zone de. Sa zone de. Comment dire? Où il est attiré est assez faible. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été attiré par le Kava. Là, j'ai juste cyclé rapidement sur. Sur ma bûche. Je vais même canon ici, je m'en fiche. Tac. Ça meurt pas? Attendez, mais tout à l'heure. Tout à l'heure, il est mort. Je comprends rien à ce jeu. Tout à l'heure, il est mort sur bûche séisme. Ouais, là, j'ai. Oh. De toute façon, je suis à 2 séismes de finir, donc j'ai pas besoin de forcer, mais. C'est juste, en fait, je comprends pas trop ce jeu. Je vais repartir qu'à voler, mais. En fait, il met 14 élixirs. 202, ouais, je suis obligé de bûche en plus. Non, mais. La Tesla évoluée. Elle a été nerf, mais je trouve pas assez. Hein. C'est mon avis. Non mais, en fait, je peux pas défendre. Toutes mes cartes se font one shot par l'abruti. Tac. Normalement, avec mousquetaire, il devrait pas taper la tour. Ok. C'est chaud. Hein. Je cycle des séismes et espérer. Canon ici. Après là j'ai mes évolutions aussi, il y a peut-être moyen de tenter quelque chose. Tac. Ouais j'aurais peut-être dû attendre d'avoir un golem de glace pour le mettre dans le corner. Après je peux aussi faire ça. Golem de glace, squelette. Ok, il a plus son... Oh, mais c'est tellement nul. Après son sort était pas fou non plus. Ok. Je vais cycler ça pour tuer. Kava qui s'est tué tout seul. Il va sûrement voilà, tenter ça. Heureusement qu'on l'a vu, sinon. Ok, je vais repartir Kava pour lui mettre de la pression. Avec un séisme, ouais, bah du coup. En fait, il faut pas que je défende le mineur. Si je défends, je prends limite plus de dégâts. Tac. Ok, esprit glace. Je vais repartir. Allez, allez! Oh, il cycle la Tesla sur la fin, mais par contre, je pense que je peux l'avoir du coup ici. Juste esprit de glace en défense. Ok. Je devrais recycler sur un golem de glace pour tanker le chevalier. Et ça va prendre la tour, let's go. Ah, on est reparti contre un russe. Alors, mes petits pronos, c'est les trois troupes goblins, du bombardier des squelettes, un P.K. Et on va s'arrêter là déjà, ce serait pas mal d'avoir tout ça réuni. Peut-être un prince et un Kava. Ok,
1 sur 1. Je suis chaud. Cycler notre séisme sur lui. Je sais toujours pas si séisme bûche le tue, mais voilà. Je crois pas, non. Je crois que c'est le meilleur 1 HP. Ouais, voilà. Ok, désarché. Oh, mais c'est... Esprit de glace. J'en ai marre. Je sais pas combien j'ai pris de dégâts, mais limite, ouais, j'ai pris 1000 de dégâts sur un first play débile. Juste parce que je peux pas... En fait, il tue les troupes. Les petites troupes. Donc vous pouvez pas lui mettre de petites troupes. C'est plutôt sympa. Ok. Non, vraiment, faut juste... Lui, il est à peu près équilibré. Faut juste pas qu'il explose quand... Quand il est pas à côté d'une tour, en fait. Après, ça deviendra... Bah, en fait, oui, c'est déjà un bombardier qui tape, donc il n'y a pas besoin de mettre en plus l'explosion tous les 5 secondes. Non, il va mettre le sort de gobelin, là. Même pas. Allez, un coup de mousquetaire, au moins. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. En plus, si je joue Tesla évolué, ça va être chaud. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Surtout l'autre gobelin qui m'énerve. Et encore, il joue pas le deuxième gobelin dégénéré. Enfin, pas pour l'instant. Ok, cycler mon séisme quand même. Ok, je vais repartir comme ça. Je tente des choses de toute façon. Tac. Ah oui, c'était sûrement avec un coup de cava que je l'avais tué tout à l'heure, son gobelin. Parce que là, s'il y a un coup de gobelin, là, avec une bûche, normalement, ça devrait le tuer. Toujours pas, je comprends pas. Alors, je vais squelette dans le fond parce qu'il va mineur. Sacrifier mon canon. Ok, continuer à gratter séisme. Là, ça va être chaud. Faudrait que je cycle très rapidement sur un deuxième séisme. Ok, plus une bûche, plus un esprit de glace, allez. Il a dash en... Bon, ouais. Il a surtout une zone. C'est-à-dire, il était vraiment là, il a tapé sur ma tour, c'est... Ouais. Je vais repartir de l'autre côté, mais de toute façon, là, je pense que la game est perdue. Voilà, voilà. Bon, je pense que j'ai assez souffert, j'ai droit de perdre cette partie. On va finir cette vidéo en 7 victoires, ce qui est vraiment pas mal. Sans jouer de gobelins, sans jouer de troupes de dégénérés, mais franchement, la méta, c'est ça, quoi. Est-ce que vous avez franchement envie que je joue ce genre de deck en vidéo? Parce que les évolutions, ok, les champions, ok, ça fait partie du jeu, mais non, mais ça, j'arrive pas à m'imaginer que c'est des troupes, quoi. Faire apparaître des gobelins sur ta tour... lui, a priori, bon, lui, ok. Mais lui, c'est vraiment débile, l'autre, là. Je sais pas où il est passé, mais lui, il a qui lance des roquettes sur la tour. Je comprends pas trop l'utilité. Peut-être... peut-être l'utilité, elle est là. Peut-être elle est là. Oh, des offres à 36 euros et à 20, 30 euros. Oh, peut-être elle est là, l'utilité. Bref. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine, dans une méta pas équilibrée.